Bonjour, me voici Tactics. Je vais vous présenter un jeu qui est sorti en 2011 sur toutes les plateformes, c'est-à-dire PC, PS3, Xbox 360, qui est au nom de Shift 2, qui a été édité par Electronic Arts en collaboration avec Slightly Mad Studio. Le jeu est axé simulation avec des voitures et tout ça. On peut utiliser la manette, le clavier ou le volant. Personnellement, je préfère utiliser le volant, c'est plus immersif. On a vraiment l'impression de s'y croire à l'intérieur. Bref, ce jeu est juste génial. Maintenant, je vais passer au point des modes de jeu. Il y a les courses, normal. Il y a les drags. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a le drift, forcément, classique. Qu'est-ce que je pourrais encore dire? Il y a encore une autre version du drag qui est sur tout un mile, c'est-à-dire 1,6 km, où on doit essayer d'atteindre la vitesse maximale de la voiture. Après, ça dépend de comment on a fait la voiture, parce qu'il y a des pièces qui sont spécialement dédiées pour le drag. Bon, comme on est limité dans le temps, je vais faire assez rapidement. Donc, on va directement dans la carrière. On va continuer les courses que j'étais en train de faire, qui était une course sur Londres. Puis maintenant, on va attendre que le chargement soit fini. Puis après, vous verrez que je serai à bord d'une Gallardo. Gallardo qui est en classe P. Mais j'expliquerai plus en détail une prochaine fois. La vision cockpit. En plus d'avoir un volant, on a vraiment l'impression de s'y croire à l'intérieur. Si vous faites des erreurs de conduite avec le volant, ça se remarque tout de suite. Comme je le disais, c'est un jeu qui est basé sur la simulation et en plus d'être immersif, c'est le fait que si vous prenez un mur, vous avez quand même moins de chances de pouvoir réussir à rattraper l'autre voiture. Donc du coup, il faut vraiment assurer sur ce qu'on fait. À noter que vous remarquerez que la sensation de vitesse qu'on a en passant par les rapports puis en arrivant dans les 200 km/h, vous voyez tout de suite ce flou, cette sensation de vitesse. Et puis en plus, on voit aussi que sur le tableau de bord, ça devient tout flou, puis qu'on doit être vraiment concentré sur la piste, sinon on risque de se prendre un mur. C'est ce qui rajoute encore un côté immersif au jeu. Toi, si je te chope, tu verras, tu vas m'entendre parler. Hey, c'est qui le papa maintenant? Bien fait pour toi, la DB9.
si vous voyez que je ne suis pas en train de spécialement parler, c'est que je suis vraiment à fond, parce que sachant que j'ai réussi à dépasser la DB9, il faut vraiment que je reste bien concentré pour éviter de me faire dépasser à moi. Parce que comme je l'ai dit, c'est vraiment le jeu qui est axé simulation, donc il suffit juste qu'on se loupe une seule fois, qu'on se prend un mur, qu'on se coince dans un coin, puis après la course elle est perdue. Comme on est en train d'arriver vers la fin de la course, j'aimerais déjà faire mes remerciements pour avoir regardé cette vidéo. Et j'essaierai de faire en sorte de poster déjà le côté amélioration de la voiture, présenter un petit peu comment on sait faire dans Project 2, parce que j'ai quand même mentionné un système de classe, et je vais essayer de vous faire ça plus en détail. Avec en plus certains modes de jeu comme le drag, le drift. Et si vous souhaitez acheter ce jeu sur Origin, il coûte à peine 10 euros. Moi je trouve que c'est vraiment un bon investissement parce que le jeu en lui-même est excellent. Et si on est assez fan de Gran Turismo ou même Forza, ce jeu remplace bien parce qu'il est sur toutes les plateformes. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous avez aimé, puis restez connectés. Allez, ciao ciao!